Pour le premier défi de l'émission Les Pros, on a pensé inviter la fierté de Victoriaville, Jean-Michel Paré, et lui proposer ce que chaque golfeur cherche. Un trou d'un coup. On va lui donner 500 balles. Jean-Michel Paré, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Bonheur au Royal Bromont, on est les premiers golfeurs sur le terrain. On va essayer ça. As-tu déjà des trous d'un coup en carrière? Oui, en fait, j'ai pas eu une bonne stretch en 2017. J'en ai eu deux en trois semaines. Puis that's it. Deux en trois semaines et c'est terminé depuis ce temps-là. Ben, ce matin, on te donne 500 balles pour réussir. Bonne chance. Let's go. Let's get started. Massimo va dire qu'on va mettre la pine dans la trappe à gauche. Il a fait. Ça va prendre du temps, mais il va en faire. Quand ta quatrième balle est à un pied et demi, il va la mettre dedans. Come on. Juste après que je le call. Ça, c'est bon. Come on. Juste après que je le call. Ah! Oh non! Oh! Quatre pieds. Ah, juste pas ma F. Juste pas tirer. C'est long, 500 balles. Puis ce qui est fou là-dedans, c'est que Jean-Michel a frappé des dizaines et des dizaines de balles qu'on prendrait là, à chacune des parties qu'on joue. Mais ce qu'on cherche aujourd'hui, c'est pas à côté, c'est dedans. 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 C'est ça qu'on veut. Là, je la sens pas près. Elle est où? Et on l'a perdu dans le flag. On l'a perdu dans le flag, celle-là. J'ai comme shaké en dedans. Moi, si tu fais, je vais être aussi content que c'est moi qui l'avais fait, là. Bon, mais moi je suis qu'on prend un petit break. Yes. Comment s'est passée la première partie avec les 250 balles? Ben écoute, ça a bien été. On a fait beaucoup de bons coups. Ben oui. Une coupe qu'on a pensé que ça rentrait, mais c'est un défi physique. Dans le fond. Et mental. Et mental. Et mental. On essaie de reset à chaque shot, c'est-à-dire c'est celle-là la bonne. Ouais, c'est ça. Après 250, on se dit c'est la prochaine. On prend un petit break. Mais on reprend ça dans les prochaines heures, voir si en 500 balles, t'es capable d'en faire un troisième en carrière. Let's go! Le challenge des 500 balles, partie 2. Jean-Michel Paré, au début de la semaine, on a essayé. 250 balles, t'as passé proche souvent. Oui. Ça n'a pas fonctionné. Là, le tournoi est terminé. Drew Nesbitt a gagné. Tout le monde est parti. Il reste toi, moi, l'équipe de les pros, les gars du East Coast Pro Tour. Dès que t'as mis dedans, on s'en va se coucher. Est-ce que ça te met de la pression? Ça me met pas de pression, mais ça me donne envie pas mal. On a passé proche, c'est rendu le temps d'exécuter maintenant. Là, moi, ton gars qui était neuf au début du challenge des 500 balles? Le gars qui était neuf, percé dans le pouce, il a fallu se mettre des pansements parce qu'il y avait une bonne ampoule. Donc, il va tenir le coup jusqu'à 500, mais après, c'est poubelle. Après ça, c'est la poubelle. Alors, 250 balles restantes à Jean-Michel Paré, on regarde ça. On se lance. À 148 verges de distance, Jean-Michel a enchaîné faire 9 pitching wedge, faire 9 pitching wedge. Tout dépendant de comment il se sent, là, il a le faire 9 entre les mains. Why not? Right now. Let's go. Ah, oh, trop loin. Stop. Je lâche le bien. Ouais, ça doit être ça. Ça doit être parce que t'es trop musclé. Ma blonde m'a dit tout le temps de manger plus aussi. C'est de prendre un peu de coupe d'olive. Bon ça. Ça c'est bon ça. Oh!
Dedans! Let's go! Let's go! Oh! Mars, c'est à combien? Elle a arrêté un pied short. Un pied short. Jean-Michel Paré à la balle numéro 277, man! Balle numéro 277! Jean-Michel Paré, trou d'un coup, comment tu te sens? On avait dit qu'on rentrait à la maison. On s'en va à la maison. Yes, sir! Mesdames, messieurs, wow. Jean-Michel Paré, t'as-tu d'aller voir ta balle? Ouais, on y va, on va aller voir let's ça. Let's go, let's go, let's go! On va aller voir ta balle. Terminé. Mas, montre-nous où elle a tombé. Fais-nous le play-by-play. Tac! Un bon. Back. Toc, un bon, comme ça. Yes. Je t'invite à la ramasser. Mesdames, messieurs, hauteur d'un trou d'un coup, Jean-Michel Paré. Yes, sir. Quel défi, je vous dirais que c'est un challenge plus mental et physique que d'autres choses parce que on la met un pied un moment donné puis c'est plus satisfaisant. Versus que dans une ronde, on est très heureux. Là, c'est plus satisfaisant, fait que faut élever notre standard. Puis trouver le moyen de la mettre dans la coupe. Écoute, je suis tellement content pour toi. Puis on s'était dit, moi, j'étais convaincu que tu allais le faire en dedans de 500 balles. Balle numéro 277, bang, c'est réglé. Et c'est impressionnant parce que la balle d'avant, tu l'as mis à peu près comme à un pied, même pas. Ouais. Tu avais l'air vraiment en pleine possession de tes moyens. Ouais, je te dirais qu'une fois qu'on a trouvé notre feel, il s'agit de le répéter. Le golf, c'est pas un sport de robotique. Il y a tout le temps des petits éléments qui nous permettent d'improviser. Mais là, on avait le bon feel, puis je suis très heureux que ça allait finir dans la coupe, moi, t'as dit. Moi, j'ai le goût, on la revoit. Il n'y a pas de meilleure façon que celle-là que de terminer la première émission de l'Épro sur les ondes de TV en sport. Jean-Michel, merci tellement de ton temps. T'es super, ça fait plaisir. On est une belle gang, puis on est super.